Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 ou 18 sur Land of Italy. J'espère que vous allez bien, bah moi en tout cas ça va. On fait aller, heureux de pouvoir d'avoir réussi à régler mon problème d'arme à 3 les amis. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va tout simplement déjà vider cette autochargeuse. Donc j'avais dit que j'avançais mais j'ai pas avancé en... Bah si, j'ai avancé quand même un petit peu entre les épisodes, j'ai moissonné, j'ai fait un peu de paille, enfin j'ai essayé de d'avancer quand même un petit peu pour pas prendre trop de retard. Donc les animaux je les nourrirai hors vidéo tranquillement, une fois quand j'aurai le temps tranquille, enfin pas quand j'aurai le temps, quand je le ferai tout simplement. Donc là faut que j'aille à gauche, donc on va vider le Xérion parce qu'on va en avoir besoin de celui-là là pour ramasser de l'herbe, que j'ai commencé à faucher et faire de l'herbe. Tout simplement. Donc on va s'en servir du petit Xérion. J'ai un nouveau véhicule qui est... Enfin j'ai deux nouveaux véhicules mais il y en a un que j'ai pas acheté. C'est un trop... Sinon c'est un trop gros tracteur. C'est un 9520 de MR Fox Modding. Donc vous imaginez l'engin pour une carte comme ça. Donc du coup j'ai pas pris. Mais par contre on a un 933 Vario de Ago Modding. Donc Ago Modding est la personne qui a fait tous les fans jusqu'à présent de 718, 724, 516, 512, enfin bref quoi, c'est le boss des fans. Excusez-moi, c'est le dieu des fans on va dire, hein, parce que lui il fait vraiment que du fend. Alors est-ce que dans la V2 ils ont corrigé le problème des talus qu'on ne voyait pas? Là je suis curieux de voir. Ah voilà, maintenant on voit enfin nos putains de talus. Magnifique. Ah j'adore cette texture, n'empêche quand ça vide c'est quand même franchement trop bien fait. Voilà, génial. On va faire demi-tour. Putain, maintenant Xérion il avance. Il avance de nouveau. Donc ce qu'on va faire c'est que lui on va l'emmener au niveau du premier champ que j'ai endainé. Alors normalement le champ il est où? C'est pas celui-là, non je crois pas. Non non c'est pas là, c'est plus à gauche. C'est près du concessionnaire là-bas il me semble, j'ai fait un champ avec le 7200R. Alors le 7200R en mode réalistique les amis, je tiens à vous préciser parce que j'en ai fait l'expérience et les frais. C'est un tracteur qui sans rien au cul monte à 80 km/h. Oui oui, 80 km/h. Donc c'est le seul défaut qu'il a, c'est complètement cheaté. Il monte vraiment à 80 km/h quand bah, tout simplement quand il a quelque chose, quand il a rien au cul je veux dire. Après quand il a une benne ou autre en mode réalistique de toute façon il n'y arrive plus. Mais c'est pour vous dire qu'à quel point c'est quand même hallucinant, 80 km/h, j'aurais pas pensé. Donc on a le champ ici à ramasser et on a celui-là là que j'ai fauché et normalement le 7000 bah, je l'ai emmené là-bas. Voilà. Je l'ai emmené là-haut. Donc ce qu'on va faire, il faut que je trouve juste... Là on va trouver l'entrée, voilà. Voilà, parfait. On va commencer un petit peu à ramasser. Juste on va ramasser ce champ là, comme ça, bon à mon avis, ça me remplira pas l'autochargeuse les amis. Hein. Il va falloir plusieurs champs pour que ça me la remplisse. Donc là, on va faire le grand champ que vous voyez là, qu'on va faucher là-bas avec le gros John Deere. Puis on fera encore d'autres champs s'il faut. Histoire que... bah tout simplement, histoire que... on est nouveau de l'herbe en stock. Si je voulais faire le gros cheater, je prendrais la classe cargo, ça me la remplirait hyper vite et j'en aurais en stock. Mais non, j'ai pas envie, j'ai envie de faire ça comme ça, donc on va faire ça comme ça tranquille. Du coup, pour Bêtement Paysagiste, les amis, grande parenthèse, alors non, ce n'est pas fini, je marquerai un petit mot sur Facebook, tout simplement. Bêtement Paysagiste n'est pas terminé, c'est juste que dans les 2-3 jours au maximum qui sortent, il doit y avoir une map que j'attends avec impatience qui ira très bien avec mon paysagiste. En fait, tout simplement, ça sera beaucoup mieux. Et du coup, le fait que j'ai paumé ma sauvegarde me dérange pas spécialement. Enfin, quand même un petit peu vis-à-vis des heures de boulot. Mais me dérange moins parce que cette carte-là, je l'attends depuis vraiment un bon moment. Et quand elle sortira, les amis, ben, on reprendra Bêtement Paysagiste dessus. Ça va vraiment être super. Et je pense que quand Farming 15 arrivera, sur le 13 il restera uniquement Bêtement Paysagiste. De temps en temps des vidéos multi avec les collègues, voilà. Et je sais pas s'il y aura... Bah Land of Italy, si ça tenait qu'à moi, je continuerai. Parce que j'adore trop cette carrière.
Mais je peux pas tout faire. Donc il faut que je fasse un choix. Donc déjà la ferme des anciens, comme je vous ai dit, celle-là je l'arrête. Parce que du coup j'ai aussi paumé ma sauvegarde sur la ferme des anciens. Mais de toute façon dans Farming 2015 ça va être totalement différent. Dans Farming 2015 je me ferai même pas chier. Toutes les semaines je ferai une copie de sauvegarde. Une copie de sauvegarde sur un disque dur externe. Je me ferai plus chier, je me ferai plus avoir. Ça c'est clair et net, je me suis fait baiser avec le 13, excusez-moi de l'expression. Hein. Pas mal de monde se sont fait baiser. Excusez-moi, je dis le mot parce que franchement c'est vraiment le cas. Ça n'arrivera plus dans le 15. Je ne me ferai plus avoir. Ça c'est clair, net et précis. Je ferai en sorte de prévoir. Et donc pour prévoir, on fera une copie de sauvegarde et tout ça. Comme ça je serai tranquille tout simplement. Voilà. Donc du coup déjà deux séries s'arrêtera là. Donc Farming version console j'arrête. Et la ferme des anciens. Donc maintenant il en reste 4. Là et des Newton. C'est Check by Koofy. Pardon. Lord of Italy. Et bêtement. Enfin. Mon exploitation paysagiste. On va pas dire bêtement paysagiste parce que ça ne sera plus sur bêtement. Voilà. Donc ça c'est ce qui reste. Hein. Donc Land of Italy, on est à l'épisode 18. Il faut que je voie quand est-ce que je m'arrête. J'en ai absolument aucune idée. Parce que bon, je me dis qu'à quelque part sur Farming 15, je me dis. Alors attendez, je m'explique. Je me dis que sur Farming 15, au départ, il y aura maximum 2 carrières suivies. Ça sera carrière suivie no cheat sur les deux maps. Parce qu'apparemment, il y a deux maps. Donc du coup, je me dis, ça fera en totalité 6 carrières. Mais alors après, je me dis, je pense que j'arrêterai le multi sur le 13 et je continuerai le solo parce que en fait en solo je vous explique si je voulais vraiment sur Farming 2013 en solo je pourrais continuer encore pendant au moins 5-6 mois parce que tout simplement j'ai tellement de maps que je pourrais faire des petites carrières suivies de 10-15 épisodes comme ça que franchement dit je pourrais continuer un moment mais après je sais pas, je réfléchis encore. Oh putain, arrête-toi. Excusez-moi, le café. En fait, je réfléchis. Je vous explique. Parce que, c'est sûr, le 15 va arriver. On va être à fond dessus. Mais vu qu'il n'y aura pas de trop de modes. Enfin, le truc, c'est que d'après ce que j'ai pu comprendre, les modes qu'ils ont fait la plupart, enfin, les derniers modes pour le 13, seront sur le 15. Donc, ça se trouve, il y aura pas mal de modes assez rapidement. Et de bons modes, j'espère. Donc c'est pour ça que je sais pas, mais c'est sûr que Farming 2013 on va automatiquement réduire parce que je pourrais pas être au four et au moulin, ça vous vous en doutez. Mais je vais quand même continuer, je vais voir comment. Parce que si on regarde 6 carrières suivies, ça me fait 6 jours dans la semaine déjà. Donc vous voyez à quel point ça va vite. Bon après c'est pour ça que j'essaye un petit peu de, comme vous pouvez constater, j'essaye un petit peu d'étalonner mes vidéos et mes carrières. Hein. Ça vous vous en êtes rendu compte, hein. Je veux dire de temps en temps je vais vous sortir une vidéo X ou Y. Pour vraiment essayer de diversifier plus ou moins le jeu, hein. Enfin la chaîne tout simplement, parce que là on parle pas de jeu, on parle de chaîne. Là, il y aura Farming 13, il y aura Farming 15, il y aura Arma 3 reprend de plus belle parce que j'ai réussi à régler le problème. Donc j'ai mis un petit mot sur Facebook pour vous expliquer si jamais ça vous arrive. En plus le trio des phénomènes en compagnie de Guigui et de Jouon dans le pré, franchement dit... Mais on va s'arrêter ce connard. Ah voilà. Franchement dit, on s'est vraiment super bien éclaté là. On a encore des bons putains de gameplay à mettre en place et à faire sur sur Arma 3 que franchement dit, là-dessus on va vraiment s'éclater. Après il y a Breaking Point encore. JD lui il adore, il a fond dessus. Et moi personnellement j'aime beaucoup aussi. Enfin Arma 3, moi perso je vais reprendre de plus belle, mais bon je pense que je vais jouer. On va jouer ensemble. Hein. De toute façon c'est toujours plus marrant quand on est à plusieurs. Donc j'ai nommé ça le trio des phénomènes, donc vous verrez par vous-même ce que je veux dire par là. Donc alors attends, lui on va le laisser ici, voilà. Oh merde, alors attendez. On va juste finir ce petit bout les amis. Voilà. Parfait. On va l'arrêter. Voilà. Du coup, le 14. Ah oui, ça je vous ai pas montré. J'ai trouvé ce petit transborder, le Triton là. Et je l'ai trouvé sympa.
J'ai fait exprès, ça c'est pour pas que le tracteur gueule trop longtemps. Et je le trouvais vraiment super sympa, ce petit transbordeur. Il fait 10 tonnes comme vous pouvez voir. Alors je me suis dit, tiens, bah écoute, on va le prendre. Mais c'est vrai que pour la CX, il fait un peu pitié. Faudrait peut-être plutôt que je le prenne pour la Sampo. Une petite machine Sampo, là, ou Sampo, ou comme vous voulez. Là, pardon, là ça pourrait vraiment être sympa. Alors, on va avancer un petit coup. Bon, lui, on va le laisser se démerder. Alors, voilà le Fendt 933 Vario SCR. Donc, découvrons ça ensemble. D'accord, on peut ouvrir ça. Nickel. N, c'est quoi? Ah, d'accord. C'est le relevage, d'accord. Je crois qu'on peut ouvrir de côté, là. Je crois, hein. Ah, ouais, d'accord. Oh, putain, truc, quel con. On va tomber. B, j'ai dit. Du coup, ça met où, les capots? Oh, l'animation, bien foutue, quand même. Ah ouais, l'animation est bien faite. Alors, il est vraiment très beau, ce Fendt. Personnellement... Attendez, je vais juste enlever ça. Il est vraiment très très beau. Donc, il est en jumelage également. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Il est vraiment beau. L'intérieur, il est magnifique. Alors, on peut ouvrir ça. La porte. Le toit. On peut ouvrir ça également. Là, on a même une caméra. Mais le truc, c'est que j'aimerais voir d'où elle est, cette putain de caméra. Elle est devant, quelque part, là. C'est con que c'est pas... Alors, on a plusieurs vues également. Ça, c'est pas mal. Le bruit, personnellement, est très très beau. À vous d'écouter. On va se mettre en vue intérieure. Surtout en... Quand on accélère, le bruit est vraiment très très beau. Merde. Hop. Déplie-toi. Allez, on va essayer ça, les amis. C'est parti. Ah, c'est classe quand même, là, d'avoir les vues comme ça. Hein. C'est, franchement, c'est super stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. Vue comme ça, vue de derrière, vue intérieure. Ce bruit, il est juste magnifique, quoi. Je suis pas trop fan, pas trop fan, mais celui-là, il est vraiment beau, franchement. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Il est vraiment très très beau. Hein. Merci à GoModding. Je sais que tu es anglais, je crois. Donc tu comprends peut-être pas trop trop le français. Ah oui, alors attendez. Pour la marche arrière, c'est contrôle. Voilà. Je sais que tu comprends peut-être pas trop le français. Mais un grand merci à toi. Parce qu'il est vraiment très très beau ton Fendt, franchement. Oh mais merde. Mets la marche avant, espèce d'idiot. Donc oui, j'aurais pu épandre du fumier ou quelque chose, mais je me suis dit, écoutez, on va faire un petit peu de déchômage, parce que c'est vrai que on n'en fait pas énormément. Donc on va déchômer un petit peu avec ce beau Fendt. Je voulais vraiment vous le montrer, parce que moi, je le trouve vraiment très sympa. Vraiment très très beau, alors attendez voir. C'est con qu'il n'a pas comme ces autres Fendt... où tu appuies sur un bouton et l'inverseur se fait tout seul. Donc il a le mode labour, hein, ça c'est naturel. Allez, c'est parti, régulateur. Regardez-moi ça. C'est vraiment classe. J'aurais pu le jumeler aussi pour faire ça. Les lumières, ça donne quoi? Oh putain. Ah ouais, il est clair celui-là. Il fait pas semblant. Alors, attendez, j'ai appuyé sur une touche, mais je sais pas du tout ce que ça a fait. Vraiment, vraiment, vraiment classe. Moi, personnellement, j'aime bien. Alors, les gyrophares, par contre, ceux-là, quand tu mets les gyrophares, tu les vois. Hein. Regardez-moi ça. J'aime bien, ils sont pas trop rapides, ils sont voyants, ils sont pas mal. Vraiment excellent. Et... Là, vous voyez... Attendez, si j'appuie là... Attends, il faut peut-être que j'aille sur le tracteur. Non, bon, c'est pas grave.
ton régulateur. Ago System Tech, qui est donc. Enfin, Ago Modding, hein, pardon. Qui est donc également le modeur de nos fameux 7000R là. Franchement dit, moi, je trouve ça vraiment super d'avoir de bons modeurs comme ça. Il a bossé un moment dessus. Il y a pas. Enfin, si je dis pas de conneries, c'est celui-là qui a une texture super belle quand il se salit. Alors, je suis pas sûr de ce que je vous raconte. Je dis peut-être des conneries, mais il me semble. Voilà. Regardez-moi ça. Bon, il faut essayer. On va engager un ouvrier pour voir s'il fait pas trop de merde. Oh bah d'accord, il s'arrête. Il faut mettre l'auto-combiné peut-être. Merde, c'est... Ah voilà. Tac. Tac, on va faire des allers-retours, c'est parti. Non, là tu me fais nouveau n'importe quoi. Laisse tomber l'autocombiné. Alors cette saloperie d'autocombiné quand ça veut pas marcher, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Voilà. Là on trace les amis. Bon c'est peut-être pas trop l'idéal de tracer comme ça en vrai, mais on déchaume là. 25 km/h, le déchaumeur il est déjà mort, le tracteur il arrive même pas à le tirer à cette vitesse. Mais bon, c'est farming, faut en profiter. La texture du déchaumeur est vraiment cool, franchement. Bon, moi, je me... Pardon. Je me dis comme ça on va un petit peu plus vite quand même, et puis on peut faire plus de choses hein, tout simplement. Ça, je me suis dit on va déchaumer un petit peu un petit champ tranquille avec ce beau Fend, et puis on verra ce qu'on va faire par la suite. Bah j'aurais aimé ce qu'on va faire, on va pas déchaumer tout l'épisode les amis, on va partir couper de l'herbe un petit peu après avec le 7200 là en mode réalistique. On va aller faucher un petit peu. Bah comme ça on avance aussi également pour nourrir nos animaux, hein, faut dire ce qu'il y a. Donc là je vais faire un truc un peu n'importe comment, enfin pas n'importe comment, je vais juste faire le détourage là. Voilà. Nickel. Parfait, donc je vais rester un petit peu en vue intérieure, comme vous pouvez voir. Donc ce tracteur est disponible sur mode Oster, mais je vais faire une petite présentation de ce mode tout simplement tout à l'heure, parce que je le trouve vraiment très très beau. Je le trouve vraiment super bien. Donc là comme ça on va pouvoir rattraper notre connerie de l'autocombiné là. Moi j'adore ce petit aspect avec les mauvaises herbes en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment classe en fait. Ça fait vraiment réel quoi en fait. Ça fait vraiment réel parce que voilà, c'est vrai que dans un champ, t'as toujours un petit peu des mauvaises herbes, hein, tout simplement. C'est techniquement pas possible que t'aies absolument aucune mauvaise herbe, quoi. C'est genre pas possible, quoi. Regardez en vue comme ça, c'est génial. Ça va un peu vite, je vous l'avoue, mais mieux que rien. C'est nickel, comme ça on aura déchaumé ce champ-là et puis on pourra y mettre ce qu'on veut. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va se faire le petit bout là-bas sur la droite encore, et peut-être un petit aller encore, et puis ensuite wow, on va peut-être le finir le champ. Qu'est-ce que vous en pensez? Il reste plus tellement de choses à faire là. Surtout à la vitesse qu'on avance là, franchement dit. Il reste plus vraiment grand chose à faire. Autant qu'on le fasse tranquille. Voilà, là on fait encore un retour et un aller, c'est terminé. On va faire là-bas encore, et puis après on va les faucher un petit peu tranquillement. Ça on aura fauché. Puis moi ce que je vais faire hors vidéo, c'est que je vais acheter les animaux. Je vais les acheter, je vais commencer à... Je vais tous les acheter, même s'ils n'ont pas à bouffer, tant pis, je les achèterai. Et du coup ce qu'on fera, c'est que je vais encore acheter une tonne à eau. Je vais commencer à donner... Non, de l'eau on va donner en vidéo, mais les nourrir je vais peut-être pas le faire en vidéo parce que tout simplement vous l'avez déjà vu. Je l'ai fait pas mal de fois sur Land of Italy. Écoutez-moi ce bruit. Génial.
Donc c'est pour ça que du coup je vais pas trop insister là-dessus, hein, je veux dire. On va pas non plus trop le faire en vidéo. Je veux pas le faire non plus à chaque épisode, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah ouais, il l'a bien compressé quand même. Oh, excusez-moi, je regardais juste le PC portable qui vient juste de me finir une vidéo là. Et je trouvais qu'il me l'avait bien compressé quand même. 994 émo. Putain, bien. Alors, c'est parti. Du coup, j'ai un petit bug. Depuis que j'ai réparé mon problème de Arma, j'ai un petit bug avec Vegas Pro 12. Peu importe la musique, n'importe quoi. Peu importe, je mets mon intro, nickel. Et peu importe le morceau de vidéo que je mets. Donc, Farming, Euro Truck, Arma, je le mets. Vegas Pro 12 plante. Je sais pas pourquoi il plante. Donc il va falloir que je le désinstalle et que je le réinstalle. Mais j'ai le 13 encore sur le gros PC, j'ai les deux. Hein. J'ai toujours prévu deux logiciels. Parce que je me suis dit, un logiciel, ça fait jamais de trop. J'ai prévu toujours le deuxième, comme ça je suis tranquille. Et avec le 13... Pardon. Excusez-moi les amis. Oh bah merde alors. Hein. Quelle idée d'avoir les de travers. Ouais, donc je disais, avec le 13 par contre, impeccable, hein, ça marche. Et vous voyez maintenant Vegas Pro 12 sur le PC portable, pas de bug. Vous voyez que comme quoi des fois l'informatique c'est vraiment con, quoi, je veux dire, il y a rien à dire là-dessus. L'informatique des fois c'est quand ça veut faire sa tête de cochon, bah ça fera sa tête de cochon, quoi, c'est tout. Hein. Ah, voilà, je préfère monter un peu dans mon tracteur. Quand l'informatique décidera de te casser les couilles, bah il te cassera les couilles jusqu'au bout. Hein. Ça c'est incroyable mais vrai. Hein. Ah, je suis désolé si vous m'avez pas trop entendu. Putain de merde, je viens juste de me rendre compte que j'avais le casque, le micro sur la première position de micro. Ah merde, putain, si j'étais à quelques minutes de vidéo, je l'aurais recommencé. Mais là, je suis à 22 minutes, donc je veux pas la recommencer. Donc je vais écouter dans la vidéo si on m'entend assez fort ou pas. Et si on m'entend vraiment pas assez fort, et je vois que c'est vraiment vraiment pas assez fort par rapport au tracteur ou autre, ben je la supprimerai et puis j'en referai une autre et puis c'est tout. Ah, putain de merde, quelle idée d'avoir deux positions de micro aussi sur ce casque à la con. Mais bon, c'est comme ça. Un jour, je m'achèterai un bon casque. Je me demande si je vais pas racheter mon Gamescon, mon Plantronics 780 qui a claqué là. Parce que c'est vrai que celui-là, là, j'étais super bien avec, j'avais une super qualité de son, il coûtait 80€, vous en étiez jamais plein. Là, le Turtle Beach, c'est bon, j'ai l'habitude du son, j'ai l'habitude du truc qu'il fournit. Et le truc qu'il y a, c'est que tu le portes 2 heures sur les oreilles, franchement dit, t'as mal aux oreilles, hein, il te fait mal à la tête. Il est pas confortable, en fait. Ça, c'est vraiment le défaut de ce Turtle Beach, hein, je vous le dis franchement. Il coûte 75€, il a une bonne qualité micro. Sonore, il est pas mal non plus, mais il faut quand même pas mal bidouiller dans les réglages. Alors par contre, niveau confort, il est nul à chier. Alors je le dis honnêtement, il est vraiment nul à chier. Eh ben parfait, regardez-moi ça, on a fini. On a fini. Donc du coup, ce qu'on va faire, voilà. Bah putain, mais qu'est-ce qu'il me fait ce connard là? Pourquoi? Alors attends. Pourquoi tu me casses les couilles à faire... Ah d'accord, en fait t'as rien branlé depuis le début, quoi. Si je résume la situation. Alors pourquoi te casser les couilles à faire compliqué? Putain de merde, quand on peut faire simple. Non mais franchement, tu m'expliques ça? Putain mais... Moi je comprends Jeannot qui désespère, franchement je te comprends, parce que des fois ces ouvriers de merde là... Enfin si c'était que des fois... Bah il est où? Ah le voilà. Si c'était que des fois... Si c'était que des fois ça irait. Bon il fait quoi là? Bon, c'est parti. Je pense qu'il est en train de faucher. Nickel.
Donc du coup on va faire ce champ là, tranquille. Bon, on va faucher un petit peu, comme ça on essaie d'être un petit peu varié. D'être un petit peu diversifié, pas que vous voyez toujours la même chose. Moi je suis content quand même qu'ils ont sorti la V2 Land of Italy, comme ça il y a les bugs de la première version sont vraiment bien corrigés, ça c'est vraiment cool. Hop là, petit coup de lag, c'est rien de grave. Donc du coup, c'est dommage, mais à quelque part c'est pas dommage, mais c'est dommage quand même. Je sais, c'était compliqué à comprendre. Je ne compresse plus mes vidéos avec format factory maintenant. C'est vraiment con, parce que franchement niveau upload ça n'avait rien à voir. Je pouvais upload plus rapidement, c'était pas mal. Mais c'est vrai que la qualité de la vidéo elle est démolie après. Donc du coup, ce que j'ai essayé de faire, parce que je suis pas quelqu'un qui abandonne comme ça, je me suis dit bon, ça démontre la qualité, mais ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de voir si il n'y a pas moyen de faire des réglages, vous savez, pour qu'ils compressent, mais pas autant que ce qu'ils compressaient actuellement. Parce que là, pour vous donner un titre d'exemple, la vidéo d'Arma 3 fait 994 MO, je la passe sur format factory, elle en fait plus que 500, quoi. Grosso modo, hein, donc ça réduit énormément. Donc je me suis dit, je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de compresser un petit peu, mais pas trop, juste pour que ça aille un peu plus vite à l'upload. J'ai trouvé un réglage pour, mais alors le truc que je comprends pas, c'est que ça me, une vidéo de 1,76 giga, ça me la descend à 1,54, c'est pas énorme, hein, il n'y a pas grand chose de différence, mais la qualité est deux fois plus massacrée qu'avant. Donc du coup c'est pour ça que j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber, vu que moi je upload la nuit, et puis que la nuit, bon, bah, y a personne qui sert d'internet et de l'ordi, bah voilà, ça dérange personne si la nuit je upload une vidéo. Même si ça met 600 minutes. Bon, moi, le maximum qu'une vidéo me met, c'est 600 minutes. Mais c'est vraiment si je télécharge un truc lourd en même temps. Hein. Sinon, en général, c'est. Pff, c'est aux alentours de 300. Ça dépend, c'est. Ça varie en fait. Merde. C'est ce que je voulais faire à la base. Ça varie, hein, c'est jamais vraiment pareil. C'est ça le problème. Et du coup, maintenant que j'y pense, un autre truc con du fait que j'ai réglé mon problème de Arma 3 et mon problème de pilote, eh ben vous allez rigoler, mais j'ai plus de retour Windows maintenant. Ah ouais, putain, je viens de percuter. J'ai plus de putain de retour Windows. Ah ouais, magnifique. Alors ça, je me demande si c'était pas un malware. Ça, je me demande si c'était pas un malware qui me faisait chier à cette époque-là. Mais ce que je sais, c'est que j'ai plus de retour Windows. Alors ça, ça me plaît. Parce que franchement, ça, c'était casse-couille. Oh, mon Dieu, c'était un chiant pas possible, ça. C'est retour Windows à la con sans arrêt, là. Et le pire, c'est que moi, en général, j'avais pas un retour Windows. Mais quand j'en avais un, je m'en tapais trois à la suite. Alors trois fois de suite, tu lançais Fraps. Une fois sur deux, ça te faisait bugger Fraps. Enfin bref, c'était... C'était vraiment chiant. Alors attendez voir. On est là. Je sais où on va aller. Alors pour pas vous raconter de conneries, regardez comme il trace celui-là. Juste essayer de pas rentrer dans mon Xerion. Regardez là je vais monter à fond avec. Vous allez voir, vous allez rigoler. Regarde ça, 80 km/h le John Deere. Putain, oh merde, j'ai pas vu la bagnole. Putain, celui-là il trace, hein. Ouah, mamma mia. Putain, oh, t'imagines, t'es sur la nationale à limité 70, tu te fais dépasser par un tracteur. Putain, mais alors là, tu regardes bêtement. Bon, tu vas me dire, c'est pas plus mal. Tu vas vite, mais bon, c'est pas du tout, mais alors pas du tout réaliste, hein. Franchement, c'est vraiment complètement cheaté, hein. Heureusement qu'il a des freins. Bon, c'est bon, j'ai trouvé un tracteur qui pousse plus que le Fen 936 à Koufi. Hein. Le John Deere. Voilà, on va faucher ici. Juste avancer un peu. Donc, ce qu'on va faire, on va faucher encore un petit peu ensemble. Et puis, nous, on se laissera là pour cet épisode. Prochain épisode, on va tout simplement. Je sais pas ce qu'on va faire, on va voir. On va déjà trouver quelque chose à faire, ça, de toute façon. Mais on va déjà faire quelque chose. Ne vous en faites pas, les amis. Il y a toujours quelque chose à faire.
Moi, après cette vidéo, je vais écouter, voir le son, ce que ça donne. Et puis, si ça va, si c'est bon, si on m'entend, ben je la fais. Mon PC va convertir. Il a de quoi. Il a du boulot là aujourd'hui. Il a du boulot. Okay. Ça, c'est un champ qui est assez grand. Je crois que c'est le plus grand champ d'herbe sur l'Inde of Italy, si je dis pas de conneries. Alors c'est vrai que moi j'avais entendu qu'il y a pas mal de personnes sur Land of Italy, bon la première version quand elle est sortie, j'avais entendu que pas mal de personnes avaient des bugs. Jeannot en avait pas mal, il m'avait dit. Mais c'est vrai que là maintenant, enfin moi avec la première version, perso j'ai jamais eu le moindre problème, mis à part quand j'ai paumé mes sauvegardes par la volonté du Saint-Esprit, j'ai envie de dire. Hein, j'étais pas sur le PC pendant 5 jours ou 6 jours, hein, à cause du fait que j'étais couché au lit à cause de skis de merde. Je reviens sur la partie, boum, plus de sauvegarde quoi, c'est magnifique quoi. Si à la rigueur j'avais mis un mode qui aurait foutu le bordel, j'aurais compris, mais j'ai pas mis de mode. Donc c'est ça le pire dans l'histoire. Et après, bon, c'est ce qu'il y a de compliqué avec farming quand t'as beaucoup de mode. Mais moi, c'est les conneries que je fais en fait. Le fait d'avoir un gros PC, ça fait bon que tu l'as quasiment jamais, faut dire ce qui est. Donc, tu as tendance à télécharger des mods, à les foutre dans ton dossier mod, à en mettre, en mettre, en mettre, en mettre, en mettre, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu as 10 Go de mods. Et là, tu te dis, merde, j'en ai mis beaucoup, mais toi, ça change rien à ta vie, parce que je veux dire, le PC, 10 Go de mods, il bronche pas, quoi. Je me souviens quand j'avais l'HP, bon, c'est vrai que quand je mettais plus de 5 Go de mods, là, ça commençait à laguer, quoi. Mais avec celui-là, c'est vrai que pas du tout de lag, rien. Et c'est vrai que ça c'était trompeur vraiment. C'est pour ça que du coup sur le 15, ce que je vais faire tout de suite, je mettrai mes mods dans le dossier mod, je les testerai, et s'ils sont bien, je les mettrai dans un dossier pour chaque map. Je vais faire comme ça dans le 15, je vais être plus organisé avec les mods pour justement éviter ces problèmes-là. Parce que franchement, c'est peut-être aussi un peu ma faute parce que j'ai beaucoup de mods. Mais bon, après c'est vrai que j'ai 10 Go de mods, mais j'ai pas perdu de sauvegarde auparavant, hein. C'est juste là que ça a décidé de. Bah, que ça a décidé de faire chier le monde, tout simplement. On va pas se le cacher, les amis, hein. Donc voilà, après on n'y peut rien, c'est comme ça. Hop là. Nickel, on a au moins fait déjà le détourage. Hop là, faucheuse, elle a fait une drôle de tête là. Ok, on va faire encore un petit tour. J'avais envie de prendre ces faucheuses, je me suis dit, oh, pour changer, je vais pas prendre la machine. On va faire comme ça, on en denne nous-mêmes, et puis on ramasse et basta quoi. Donc sur cet endroit, j'espère quand même ramasser au moins une grosse autochargeuse complète. Ouais, une grosse autochargeuse complète, ça serait pas mal. Maintenant qu'on a le Volvo en mode réalistique qui a été retravaillé en multifruit qui prend tout, ça c'est magnifique. C'est vraiment. Ça aurait dû être pensé à la base, ça. Mais bon, après, bon. C'est le modeur, il l'a peut-être fait comme ça, il a peut-être pas pensé plus loin, ou alors il voulait le faire comme ça, peut-être. Mais le fait qu'il a été retravaillé en multifruit, pour vous dire, il prend même le. Merde, comment ça s'appelle? Le tournesol, il prend également le Volvo maintenant. Donc ça c'est pas mal du tout, franchement. C'est nickel. Attends, on va avancer tout droit. Allez, c'est parti. Comme ça, après, on peut faire des allers-retours. Et moi, j'en dainerai hors vidéo. On ramassera peut-être en vidéo. On va voir. On va voir comment on va faire. Ou je ramasserai peut-être moi-même. Je vais voir. Tout simplement. Nickel. Bon bah écoutez les amis, nous on en est à 35 minutes, tranquille peinard, pour cet épisode numéro 18. Donc pour le prochain épisode, je vais avancer, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Voilà, je vais arrêter le tracteur. Je vais vraiment avancer, faire tout ce qu'il y a à faire, comme ça dans le prochain épisode, on aura bien avancé. On sera pour l'épisode 19, tout sera pas mal. On sera bien, voilà. Et bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, salut tout le monde!